C'est ça, Atadou Sakho qui débute dans les buts messins. Et l'engagement donné par Besançon. Allons récupérer par le Metz sans balle avec Bruno Depaul à le 1 contre 1. Et la finition clinique pour marquer le premier but de cette rencontre. Ah, superbe tir longue distance de Clarisse Méraud. Et deux internationales françaises, hein, Chloé Valentini et Lucie Granier. Joli le chouinqueur de Clarisse Méraud de son équipe. Mais lorsqu'on fait des sorties comme ça, il faut assurer derrière. Et c'est ce qu'elle fait. Ils sont pas dans les clous, tout simplement. Alors il reste beaucoup de matchs à jouer. Elles n'auront pas l'avantage sur Dijon. C'est qu'on lui a donné des garanties et le recrutement en atteste pour les ambitions de la saison prochaine. Juliette Faure avec Mathilde Roy. Ça passe quand même avec son 1 contre 1 fulgurant et lorsqu'elle identifie. Hein. Mara Horacek, Louise Burgard, ouais, à l'intérieur qui retrouve cette sélection de l'équipe de France et donc elle devrait essayer de montrer de belles choses aussi début mars. Depaola, Bruna Depaola, elle l'aime bien cet impact. Hein. Rouge, Chloé Valentini, ses savoir-faire restent intacts. Méraud. Bruna Depaola qui va mettre les gaz fixés et venir trouver des bibontes. Bisontin, c'est pas suffisant face à des joueuses là qui s'arrachent. Puis lorsqu'on veut célébrer les meilleurs défenseurs sur les postes 3. Allez, bien joué. La feinte avec ce pénalty raté. Et Bruna Depaola de Brest. Voilà, la finale avant la lettre comme on a coutume de dire. 30, ça va terminer derrière la ligne. Mais là, on est quand même à deux arrêts hein, face à Sabrina Zaza et au jet de 7 mètres. Cette idée de derby parfois on. Ouh, celle-là on va la garder. Ouais, les deux pivots à l'intérieur. Bravo, je m'y suis pas. Je m'y suis pas hasardé. J'ai senti. La dernière relance de Camille Dupuiset ne trouvera pas preneuse. Plus 6 à l'issue de cette première période pour le Metz Handball, 19 à 13. Et jamais à l'abri d'un retour messin. Allez, la deuxième période. Et voilà, Nozek Méraud, Clarisse Méraud. Un potentiel énorme, des grandes qualités. On a vu l'impression qu'il a été stoppé dans son élan. Là, croisé avec Maslova, passage de bras, Jorgensen. Deux interventions de haut vol de la part de Dupuiset. Celle-ci, elle est magnifique. Vite Maslova, Jorgensen, Lucie Granier. Dans le manager de Man United, c'est de toujours placer ce degré d'exigence. Et juste à essayer d'être efficace par rapport au consigne. Ouais, sur la lignée de ce qu'elle avait fait, elle continue à aller à fond de la tête. Ballon avec Nozek, Chorovic. Ok, hein, la semaine dernière. Sébastien Mizoul avait eu le sentiment de ses nombreux buts encaissés. Il aura quand même sorti de bien belles parades. C'est seulement évident à faire. Il faut juste avoir un très très bon. Main gauche. Hein. Et sa carrière pro. Bien fait. Allez, Maslova à nouveau. Cette fois, c'est à l'intérieur. Quelle belle lucarne. Uno. Derrière Karachimanga. Mizoul, le dernier temps mort, on prenait plutôt le chemin d'un plus 10, plus 12. Et elle n'a pas réussi à cadrer. Eh bien fait, Sakura Ogueux. Cette Coupe d'Europe, mais elle figure parmi les grands grands favoris. Viper. Intéressant d'écouter à la fin du match hein, pour la découvrir. Timing. Ballon volé par Pauline Robert. Karachimanga. Garde. Louise Burgard. Bien fini cette contre-attaque. Ce sera le dernier but de la partie. 37 à 29. Metz, sérieux et appliqué, s'impose sans trembler ici au Palais des Sports Gagny-Alouz et poursuit son cavalier seul en tête de Ligue Butaillaz Énergie.